Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, et ben vous allez retrouver le sourire. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis allée chez Action et vous allez voir que chez Action, on peut avoir des trucs de fou pour des tout petits prix. Et oui. Donc, je commence. Il y en a un petit peu partout. Je suis au hasard. Hein, on va pas se prendre la tête, les filles. Alors, j'ai pris pour 99 centimes, j'ai repris. Ouh, ça commence bien. Des petites tasses Time for Coffee et j'ai repris, voilà, j'ai pris cette fois-ci bleu parce que je me suis dit que mon chéri aussi vivait dans cette maison, donc il devait en avoir marre d'être entouré de roses. Donc voilà, 99 centimes la petite tasse. Et puis j'ai pris aussi pour faire un petit peu soft parce que j'ai toujours des tasses de compète avec des mini, des Hello Kitty. Donc j'ai vu celle-ci, regardez un petit peu la forme qu'elles ont, je les trouvais super jolies. La petite en c'est sympa aussi. Donc j'en ai pris deux, 99 centimes l'un, c'est pareil. Ensuite, alors ça j'avais vu sur une vidéo que j'ai regardée hier, une nana qui avait acheté un plateau comme ça, donc il coûtait 1,20€ et quelques. J'ai plus exactement les prix en tête, mais je dois pas être loin de la vérité. Make yourself home, faites comme chez vous. Et je l'ai trouvé super mignon, bah ça voyez, alors là j'avais placé mes petites tasses dessus, attention c'est périlleux. Donc je trouve ça super mignon, voilà, juste même pour deux, hein, parce qu'à vrai dire, on ne met pas 10 tasses là-dessus. Ensuite, j'ai pris pour mon petit Ali, alors parce qu'en fait, mon chat, c'est un mâle. Je viens de m'en rendre compte, c'est un bébé, mais on s'en était pas rendu compte, pardon. J'ai pris un tout petit panier, bon, il est tout petit, en Vichy bleu comme ça, 2,99€. C'est pour mettre dans notre chambre, parce que de temps en temps, il dort avec nous. Donc voilà, j'ai pris aussi... un chiffon microfibre à 50 centimes, donc rose orangé comme ça, parce que je suis toujours une dingue du ménage. J'ai repris mes crackers, vous vous rappelez maintenant que je prends tout le temps aux graines, 1,49€. J'ai pris pour 1,99€ des énormes ciseaux qui sont plus grands que ma tête, et pourtant elle est déjà assez grande comme ça. Ça c'est pour l'école, parce que ceux-là ils coûtent super bien, vraiment vraiment ils sont super. J'ai pris pour mon chien, alors, un tapis rose comme ça avec les petites pattes qui coûtait 1€ et quelques, moins de 2€. C'est pour mettre les gamelles, vous voyez, juste pour poser les gamelles, c'est rose, c'était mignon. Donc j'ai bien aimé comme ça, c'est juste pour le fun, hein. Donc ça fait plus joli poser là-dessus, quoi. Ensuite, j'ai repris, ça j'en prends à chaque fois, c'est pareil parce qu'elle coûte quelques centimes, des... Une petite, vous voyez, elle est jolie, une petite pince comme ça, toute brillante. 70 centimes, quelque chose comme ça. À 99 centimes, 3 stylos bleus. Donc voilà, j'en ai pris un lot comme ça. Et j'en ai pris un autre lot normalement. Des petits ciseaux, pareil, 70 centimes, quelque chose comme ça. Je le trouve trop mignon. Ça, c'est plus pour le côté scolaire. Hein. Un petit set comme ça, moins d'1€, pareil. Avec 6 pièces, il y a la petite règle, les petits crayons, le papier, etc. Donc, puisqu'en ce moment, c'est la rentrée. Moi, je suis maîtresse d'école, donc les stylos, j'en use. Des petites pinces crabe, une 50aine d'euros, c'est pareil. J'en mets tout le temps. Par contre, les filles, il faudra me dire laquelle d'entre vous me pique mes pinces crabe. Hein, je ne les retrouve jamais, jamais, jamais. Un lot de 3 lignes, 79 centimes aussi. Elles sont belles, je trouve... brillante, dorée comme ceci, je les trouve super jolie. J'ai repris des poudres Max & More. Alors j'en ai pris deux. J'ai pris la Tan et la Fair. Alors il y en a une qui est plus claire et l'autre qui est plus foncée. Ça, moi je le mets toujours par-dessus mon fond de teint. Donc c'est très clair, c'est juste pour poudrer le teint en fait. Et franchement, j'ai fini la mienne ce matin, c'est pour ça. Elles sont super, 99 centimes, super. J'ai pris, alors toujours à 99 centimes. J'ai pris ça, j'ai vu sur une chaîne YouTube, donc comme je suis un peu cucu, moi je suis tout le monde, le crayon à lèvres plus le rouge à lèvres, 99 centimes. J'ai pris la teinte nude, alors on va l'essayer ensemble, alors on va juste essayer le rouge à lèvres si vous voulez bien les filles. Voilà, alors hop, voilà la couleur. Alors qu'est-ce que ça donne cette histoire, parce que franchement je sais pas trop ce que ça donne, moi j'ai jamais testé... les rouges à lèvres Max & More. Ouais, bah la couleur, elle est plutôt jolie. Hein. Ouais, c'est mignon. On va voir ça. On va voir ça avec le crayon en plus. Bah, écoutez,
Je vais tester. J'ai pris un lot de deux aussi. Max and More toujours, des lipsticks. Voilà, alors c'était 99 centimes les deux. Il y a Matte Honey Beige. Et le deuxième, la deuxième couleur, c'est Sweet Pink. Sweet Pink, c'est celui que j'ai mis. Donc, Sweet Pink, c'est celui-ci, celui que je porte. Et le Matte Honey Beige, c'est celui-ci. Oh, il est joli celui-ci, dis donc. Je suis étonnée là. Je m'attendais pas à ça. Regardez. Je sais pas si ça rend bien, mais ouais, il a l'air sympa celui-ci. Ça, c'est juste, j'en mets toujours sur le, dans ma voiture au milieu. J'ai un petit, des espèces de petits trous là. Normalement, c'est pour mettre un café. Je mets comme ça le matin en partant à l'école. J'ai pris ça. Alors ça, pff, ouais, j'adore. C'est en verre et puis c'est gravé avec la petite paille. Ça, je trouve ça trop mignon, regardez. Oh, super sympa. Pour mettre les petites boissons. Ça ne sert pas à grand chose, hein, au final. J'ai repris mon dissolvant à 99 centimes. Il est super celui-là. Je le prends à chaque fois. Alors, à 75 centimes ou 78. Eh oui, je suis allée me reprendre une bulle pour les yeux. J'ai pris la teinte Copper. Copper. Voilà. Alors, je vais l'essayer, mais je suis tellement satisfaite de ces bulles-là, je me maquille tous les jours avec, que je me suis dit, Macaro, tu vas m'en reprendre une. Oh ouais, sympa. Vous voyez? Oh ouais. Pff. Voilà. Très, très joli. Oh, pff, mais ces trucs-là, c'est un truc de fou. En plus, la tenue, elle est vraiment géniale. J'ai pris, pareil, 99 centimes, un petit set comme ça, avec des petites punaises, des petits trombones multicolores, toujours pour la classe. Un petit set de vernis à 1,99 ou 1,69. Moins de 2 euros. Vous voyez, avec 2, 4, 6 vernis fluo. Donc, je connais pas du tout ces petits vernis-là, je sais pas ce que ça donne. J'en ai pris un comme ceci aussi, un pastel pink, le numéro 32. Voilà, celui-ci, 99 centimes aussi. Je vais un peu craquer mon slip, là. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire plaisir, mais vraiment pour pas cher. Bon, voilà le deuxième set de stylos billets. C'est des stylos billets. Donc, 99 centimes les trois. Pareil, toujours tout à 99 centimes, j'ai envie de me dire. Voilà, un petit ensemble de petits post-it de toutes les couleurs. J'en mets partout. Il y en a partout sur mon bureau à l'école, parce que moi, il faut que je note. Sinon, j'oublie. Une gomme XXL, elle est trop mignonne, moins d'un euro. Des petits, un petit kit d'highlighter là, de fluo, pareil, je suis toujours en train de flouter, stabiloter. Celui-ci, 55 centimes, ça ce sont des crayons de papier. Bon, la solidité c'est pas trop ça, hein, mais bon. Une boîte, alors c'est archi dans le désordre, hein. C'est n'importe quoi, un petit peu de maquillage, un peu de bouffe. Voilà, une boîte pour les clés, parce qu'avec mon chéri, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de mettre ça dans l'entrée, ça évite que les clés traînent partout, à 2,99€. Elle est super jolie. Oh là là, enfin ça, en bois, moi c'est tout à fait ce que j'aime, un peu chabi chic. Je sais pas si on appelle ça comme ça, cette déco, mais moi j'adore. J'ai pris... Alors ça, ça m'a intrigué. 1,99€. Par contre, j'ai trouvé ça un peu cher. Un highlighter. Alors, ou un concealer ou un anti-cerne. Voilà, je trouve pas le mot. Alors, c'est comme ce livre Rocher. Pour l'instant, ça tourne dans le vide, ça tourne dans le vide. Bon. Ah, si, ça y est, je le tiens. Ah, voilà. Très bien, ça. Oui, la teinte, elle est super claire. C'est exactement ce que je voulais. Génial pour le contour de l'œil. Super. Ah, je suis contente. C'est bien épais en plus. Regardez ça, vous le voyez en plus à la caméra. C'est très épais, super. Pour moi, bon bah voilà, des élastiques. Parce que ce matin, par exemple, je suis arrivée à l'école et j'avais rien pour mettre au bout de ma natte. Un bout de ficelle. Original. Ça, en vert, c'était à... pareil, 99 centimes ou 1 euro. C'est pour pchiter l'huile. On met de l'huile et on en pchite un peu, voilà. Ça évite d'en mettre 3 tonnes. Et moi, comme l'huile d'olive et tout ça, j'aime bien, mais je ne veux pas en mettre beaucoup. J'ai décidé de prendre ça.
C'est mon chat hein, qui fait tout tomber, ne vous inquiétez pas. J'aurais dû en prendre un deuxième pour faire une petite sauce toute prête. Des peanut cookies. Alors ça, c'est pour mon chéri, c'est des gâteaux à la cacahuète. 99 centimes. C'est 1,09. Enfin, c'est toujours dans ce goût-là. Les Mellow Cakes de chez Milka à 1,09. Voilà, ça c'est pour, comme il part en week-end, là, faire un triathlon. Je vais prendre des petits bidons. Des Milka. Alors, ceux-là, je l'ai... Enfin, si, celui-ci, je le connaissais, le daim. 98 centimes, si je ne m'abuse. Et par contre, celui-ci, je le connaissais pas. Donc, je pense que c'est avec des Smarties. Non, pas 99 centimes, 78, je pense, de mémoire. Oui. Et puis, ce n'est pas fini. Mais ça touche tout de même à sa fin. J'ai trouvé à 99 centimes un kit de fossiles parce que je trouve que c'est sympa. Bon, là, je ne l'ai pas mis dans la vidéo précédente, j'en avais mis. Je trouve ça sympa. En plus, il y a 3 paires. Donc, je trouvais ça sympa, Max. Je l'avais jamais vu, mais je trouve que le rayon maquillage, c'est ce que je disais à une abonnée, c'est tout rien. Soit c'est très vite, soit c'est très plein. Et il y a souvent des nouveautés en palette et tout, donc je suis super contente. Et pour ma classe, alors je trouvais un petit livre, c'est pareil, c'était 99 centimes, je me suis dit, tiens, Martin, une terrible tempête, alors c'est un petit lapin, là, qui s'appelle Martin, et il lui arrive de terribles choses. Oh, une tempête, Martin a-t-il mis son ciré jaune? Vous le saurez dans le prochain épisode. Oh, je trouve ça bien, en plus, ça c'est solide, parce que les gamins, moi, ils sont en CP, donc... ça trifouille les livres dans tous les sens et ça j'ai trouvé bien. Je vais le mettre dans la bibliothèque de la classe. Donc je regarde si je n'ai rien oublié. Non, miracle. Eh ben dis donc. Donc j'étais allée chez Action pour acheter quoi d'ailleurs? Oh, une palette de maquillage ou une bulle quoi. Voilà le résultat. Bon les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit haul, enfin ce beau haul vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.